Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, a présidé dimanche à Attar une réunion de mobilisation sur l'introduction et la protection des outardes de la chasse abusive dans la wilaya du Nord mauritanien. La bonne gouvernance est le thème d'un débat ouvert en vue de plancher sur les problèmes posés et sortir avec une vision globale sur la thématique en matière politique, sociale et culturelle. La localité de Louldja, au sud de la ville de Lkout, ce village natal du martyr Bassel Al-Arraj, a abrité la cérémonie d'hommage populaire aux défunts à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, a présidé dimanche à Attar une réunion de mobilisation sur l'introduction et la protection des outardes de la chasse abusive dans les wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri, du Tirizemou et de Dakhlet Nouadhibou qui disposent de potentiels touristiques importants qui nous appartient de protéger. Au cours de la réunion, le ministre de l'Environnement a, dans un mot pour la circonstance, attiré l'attention sur l'intérêt de cette espèce dans notre système environnemental, conformément aux instructions du président de la République commandant de préserver ces oiseaux dans les wilayas du Nord. Cette campagne, dit-il, est exécutée en collaboration avec l'institution émiratie El Bati et sera suivie par les services techniques relevant du département, mais également par les autorités des wilayas concernées. Le porte-parole des médecins résidant en Algérie affirme que 15 000 parmi ceux-là planchent sur l'étude d'une démission collective en protestation contre ce que leur porte-parole qualifie d'indifférence du ministère avec leur doléance. Des sites d'information algériens révèlent que les médecins résidents envisagent l'organisation d'un sondage d'opinion lors des prochaines réunions de leur Assemblée générale en vue de décider au sujet d'une démission collective des hôpitaux et recourir à l'application stricte du service minimal. Reportage. Le porte-parole des médecins résidents en Algérie affirme que 15 000 parmi ceux-là planchent sur l'étude d'une démission collective en protestation contre ce que leur porte-parole qualifie d'indifférence du ministère avec leur doléance. Des sites d'information algériens révèlent que les médecins résidents envisagent l'organisation d'un sondage d'opinion lors des prochaines réunions de leur Assemblée générale en vue de décider au sujet d'une démission collective des hôpitaux et recourir à l'application stricte du service minimal. Par ailleurs, leur porte-parole a fait mention d'une réunion ce lundi entre les délégués de la coordination des médecins résidents et la directrice de la formation médicale. Le porte-parole Taïleb Mohamed dit qu'ils ont auparavant soumis à la directrice leur plateforme revendicative, lui faisant état de leur refus du calendrier des examens prévus pour les facultés de médecine algérienne, examens prévus au 28 mars courant. Taïleb a indiqué que le ministère de tutelle a accueilli ses revendications par ce qu'il appelle un mutuisme inquiétant qui ne fait que renforcer les médecins résidents dans leur volonté de poursuivre leur mouvement jusqu'au bout. Dans une interview avec le journal Chourouq, le porte-parole des médecins internes algériens a dit que les autorités, en fixant un tel délai dans le contexte actuel, n'ont pas pris en compte le fait que ses collègues sont en grève depuis les 4 derniers mois, ajoutant qu'ils auront recours à une consultation de la base au sujet d'une démission collective, démission précédée par la limitation des services de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin. Il y a à signaler que les médecins résidents, dont 15 000, se préparent à la tenue d'une consultation de leur coordination sur la présentation d'une éventuelle démission collective, sont diplômés de facultés de médecine et officient au sein des hôpitaux en tant que médecins généralistes, tout en poursuivant des programmes de formation en résidence interne pour la spécialisation, une formation sanctionnée par le diplôme de docteur spécialiste.
Selon la presse algérienne, les revendications des médecins internes grévistes sont relatives à l'exemption du service militaire, à la levée de l'obligation du service civil, à la révision du statut de médecin interne, à la résolution du problème du recrutement au sein des établissements publics pour certaines spécialités et à l'autorisation des spécialistes en biologie médicale d'ouvrir des laboratoires médicaux. La capitale Nouakchott a abrité hier soir la cérémonie de distribution du prix de la mère exemplaire à 59 femmes et 11 hommes présentés par l'ONG ASPOM et l'initiative La Mauritanie d'abord. Profitent de cette récompense les mères de famille et les hommes qui ont joué un rôle exemplaire dans le domaine de l'enseignement et de la protection des enfants sans soutien. La présidente de l'ONG ASPOM, Seyida Mintelkhiarhoum, a loué la présence remarquable des femmes, la première du genre dans cette initiative, ajoutant que les bénéficiaires des prix ont aidé dans l'enseignement de génération, ce qui ne manquera pas d'avoir des retombées positives sur les intéressés autant que pour la société tout entière. En ce qui la concerne, la coordinatrice de l'initiative La Mauritanie d'abord, Madame Hindou Mtaïnine, a précisé que ce prix représente une reconnaissance pour celui qui s'est sacrifié pour le bonheur des autres et a permis la généralisation de ses bienfaits au sein de la société. La bonne gouvernance est le thème d'un débat ouvert en vue de plancher sur les problèmes posés et sortir avec une vision globale sur la thématique en matière politique, sociale et culturelle, en toute objectivité et de façon dépouillée, sans recourir à des acteurs politiques ou sociaux aux dépens d'autres et sans faire porter la responsabilité des erreurs relevées à quiconque. Reportage. La bonne gouvernance est le thème d'un débat ouvert en vue de plancher sur les problèmes posés et sortir avec une vision globale sur la thématique en matière politique, sociétale et culturelle en toute objectivité et de façon dépouillée, sans recourir à des acteurs politiques ou sociaux aux dépens d'autres et sans faire porter la responsabilité des erreurs relevées à quiconque. Le conférencier a affirmé qu'ils ont considéré que lors de ces débats, ils ont convenu de l'absence de recommandations en vue de permettre aux jeunes de discuter librement, sans aucune contrainte, dans un sens ou dans un autre, dans le cadre du Diwan de Nouakchott, qui a co-organisé une série d'activités et qui se caractérise, disent-ils, par son indépendance, n'étant d'aucune obédience en sa qualité d'espace où peuvent se retrouver les jeunes, en vue de débattre en toute liberté. Autre caractéristique non moins importante, c'est que la structure ne recueille pas les voix en faveur d'aucun pôle politique, de la majorité ou de l'opposition, raison pour laquelle les animateurs du débat n'ont pas lancé d'invitation sur Facebook ou à travers les organes de presse. Le concept de bonne gouvernance, sa corrélation avec l'éveil sociétal, son interdépendance avec les composantes de la société et les élites politiques, les obstacles à la réalisation des objectifs assignés pour l'avènement d'une bonne gouvernance effective, tels sont les sujets au menu de ce débat, réunissant des leaders de la jeunesse mauritanienne politiquement sans étiquette. Le concept de bonne gouvernance est abordé par les experts onusiens selon trois dimensions, politique, technique et socio-économique. Un intervenant indique que le droit musulman ne fait de référence à aucune forme de gouvernement, royaume, multipartisme, les portant étant le respect des principes que sont la choura, la justice, le respect du texte juridique. Même les prophètes étaient tenus de s'en référer à la loi pour diriger les affaires des gens. Des intervenants ont fait mention de l'échec de l'application du concept de bonne gouvernance, du fait de l'imbrication des composantes et des fondamentaux, tiraillés entre le gouvernement, les médias et la société, d'où des conflits d'intérêts. Les discussions ont été libres, indépendantes et dépouillées de tout référentiel politique, social, de façon à ce que chacun ait pu s'exprimer sans contrainte. Une initiative louable à inscrire au crédit de ses initiateurs, dit Diwan de Nouakchott. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdelfattah, a regagné samedi Nouakchott en provenance des États-Unis d'Amérique après avoir participé à Houston à la conférence CERAWeek 2018, la plus grande conférence énergétique mondiale qui réunit les dirigeants des principaux opérateurs des différents secteurs de l'énergie et des responsables gouvernementaux du monde entier. En marge de cette importante rencontre, le ministre a pris part à deux tables rondes ministérielles, la première aux côtés du secrétaire à l'énergie
américain Rick Perry et la seconde relative plus spécifiquement aux perspectives énergétiques durables. Au cours de cette mission, le ministre était accompagné d'une délégation de son département. La localité de Loulja, au sud de la ville de Al-Quds, est le village natal du matir Bassel Al-Araj. Le patelin a abrité la cérémonie d'hommage populaire au défunt à l'occasion du premier anniversaire de son décès, à proximité du mausolée où repose ce terreau de la résistance palestinienne. Il va sans dire que des mesures sécuritaires draconiennes ont été prises par les autorités sionistes au point d'accès d'El Oulja. Reportage. La localité d'El Voulja, au sud de la ville d'El Quds, est la ville natale du martyr Bassel Al-Araj. Le patelin a abrité la cérémonie d'hommage populaire au défunt à l'occasion du premier anniversaire de son décès, à proximité du mausolée où repose ce héros de la résistance palestinienne. Il va sans dire que des mesures sécuritaires draconiennes ont été prises par les autorités sionistes au point d'accès d'El Voulja. Dans un mot prononcé au nom de la famille du martyr, Abu Oudaï Al-Araj a affirmé qu'Allah choisit pour le défunt une fin honorable, digne. Il a dit « Ô martyr, ne sais-tu pas toi qui le sais pour l'heure que tu as échappé à maintes reprises à une mort naturelle, préférant que tes vêtements soient couverts de ton sang. Tu n'es pas mort quand ton cœur s'est arrêté plusieurs fois sous la torture parce qu'Allah a choisi pour toi la mort des augustes, des héros, de ceux qui sont aux avant-postes et non pas à l'arrière-garde. Tel est ton destin. » L'avocat maître Mohamed Aliane a affirmé dans son allocution que les parents des martyrs adressent un hommage à l'or et honneur du martyr Bassel, rappelant l'injustice de sa chute, victime de balles d'une force militaire sioniste ayant encerclé la maison où s'est enfermé le défunt dans le village d'Albira. Après 6 mois de poursuites, qui a gardé son sang-froid, son courage face à la persécution du colonisateur, de son pays, de son peuple, de sa région, de sa localité et de sa famille. La maison a été complètement détruite par les assaillants israéliens. Le patriarche Atallah Hana a dit au nom des habitants de Al-Quds que cela subisse toutes les formes de répression, d'injustice, de persécution, de blocus, de siège en vue de le forcer à l'exil, de les obliger à quitter leur terre. Le martyr Bassel Al-Araj est un résistant et un révolutionnaire palestinien, activiste de droits de l'homme, un chercheur émérite, pharmacien de son état, diplômé d'une faculté égyptienne. Il s'est rendu célèbre par une grève de la faim ouverte dans une prison sioniste, parachevée par sa libération avec ses compagnons. Les rebondissements au Kenya, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés vendredi 9 mars au matin, alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État qu'il s'est autoproclamé président du peuple et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Ils ont aussi signé un document inédit pour sortir le pays de la crise. Reportage. En effet, c'est un spectaculaire rebondissement qui s'est passé au Kenya. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre contre toute attente. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés ce vendredi 9 mars au matin. Alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, il s'est autoproclamé président du peuple et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué, les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. Poignées de main chaleureuses, accolades, grands sourires, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ont voulu montrer à tous la preuve de leur réconciliation. L'opposant a déclaré que le temps était venu de confronter leurs différences, des divergences trop enracinées au sein de la population, selon lui, et qui déjà gangrènent la dernière génération des Kenyans. Nos dissensions s'arrêtent ici. Nous avons besoin de sauver nos enfants de nous-mêmes, a déclaré le chef de la NASA. Mon frère et moi, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dire que cette dissension s'arrête ici. Nous refusons de laisser notre diversité tuer notre pays. Nous refusons d'être les leaders par lesquels la nation kenyane échouera. Quel est le rappel des titres?
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, a présidé dimanche à Attar une réunion de mobilisation sur l'introduction et la protection des outardes de la chasse abusive dans les wilayas du Nord mauritanien. La bonne gouvernance est le thème d'un débat ouvert en vue de plancher sur les problèmes posés et sortir avec une vision globale sur la thématique en matière politique, sociétale et culturelle. La localité d'El Wuldja, au sud de la ville d'El Khotsoui, village natal du martyr Bassel El-Haraj, a abrité la cérémonie d'hommage populaire aux défunts à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Mora Beton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. À bientôt. Bonne soirée.